Et ouais, Marc, donc pour cette épreuve, il s'agit du prix du fond Rédria, la course est de suite par lui commandement avec Cuisine Aïssel, lui pour le 4ème en train de son chute, Julien, qui est en seconde position, Crac de Rêve, et 3ème, et dernier moment de voir la Voltaire, le petit matin, on a porté par Goldfish, primaire, alors qu'à l'arrière-garde, on vient sur la première position, c'est juste le chef, Kazek Payou, qui fait un lâche de ce peloton. Le groupe qui aborde la marche en début d'année opposée, d'ailleurs un tracé qui est en fait avec le dos il serait toujours dans les combats en fait, je suis dit, il vient sous ma position, un départ d'Orias Goulet, on est bien de comprendre maintenant à l'extérieur, le grand track de Rêve, le Goldfish, du Ménéliste, la chaîne, qui tient toujours la marche à distance des premiers. Les courtants qui sont dans la ligne opposée, par contre, le 14 avec le groupe Patrick qui arrive de la Lyon en tête associé à Isinaïs, qui a l'avantage à Michel Dionil, qui vient au sous de la position de Jacques Léon Solo, dans les ouvriers de Colombia pour moi, les vidéos en troisième position, le Wangle Pépé, qui n'est pas du tout craqué, par contre, marque le pas, Kazakh de Monet à l'arrière-garde et débordé maintenant par Isinaïs, qui est à l'extérieur. Tout homme de la gagné du terrain, les courtants de Spa à l'avance, les derniers tournants, et toujours Isinaïs qui a mené le tour, et ceci depuis le début de l'équipe avec Michel Dionil, qui vient au sous de la position, Jacques Léon Solo, qui va tenter maintenant d'y mettre la pression à la séance du tournant, avec un Alors Zvoleur qui est en troisième position, les parties pour tournant avec le Dévimène qui est à la merci maintenant, et Tichla Bachet qui revient à l'extérieur, qui tente de regagner les rangs, les concurrents qui sont à la séance du tournant dans la dernière droite, à moins de 200 mètres jusqu'au final, et c'est Nicolas Louis Zinaïs qui a supporté pas la tête, et qui arrête par la connaître maintenant, pourtant 2-3 mètres au gouvernement, c'est sur Choux, je veux dire, c'est le Nicolas Louis Zinaïs qui va s'imposer très facilement dans ce départ de groupe avec Pierre Elvio, second Choux, je veux dire, troisième à Alain Zvoleur, juste avant Gaudet, et Tichla Bachet. Crac de Rêve termine à 6ème.